Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, vacances, mais malgré tout, l'histoire que je vais raconter, eh bien ça va être pour des écoliers. Mais avant de raconter mon histoire, il faut que je donne la réponse de ma devinette de hier. Vous savez l'histoire de Ganesha? Ganesha, un des dieux de l'Inde. Ben, la monture de Ganesha, c'est un rat. Et oui! D'ailleurs, je vous ai mis sur le blog une illustration où vous pouvez très bien voir Ganesha dans toute sa splendeur, avec une seule défense puisque l'autre a été coupée, et avec sa monture là à ses pieds qui le regarde. Donc la monture de Ganesha, c'est un rat. Maintenant, je vais vous raconter une histoire pour les plus petits, mais cette histoire-là, eh bien, je vais la dédier. Je vais la dédier aux enfants de l'école de Mattel, et plus particulièrement à mon copain Herman. Il doit la connaître, lui. Il connaît toutes mes histoires. Mais ça va lui faire quand même plaisir. Attention. Cric. Crac. Ce matin-là, le lapin se réveille comme tous les matins. Il s'étire, il remonte ses oreilles, il remet en place ses petites moustaches et puis son petit nez. Et attention, il n'oublie pas de frotter sa petite queue en pompon. Puis il entend sa maman qui lui dit « Alors mon petit lapin, tu viens vite prendre ton biberon de carottes ?»« Ah non !» Oh, j'ai pas envie, encore des carottes. Attention, hein. C'est que le matin, c'est biberon de carottes. Mais à midi, salade de carottes, tarte aux carottes. Le soir, soupe de carottes, gratin de carottes. Mais le pire, c'est à 4 heures pour le goûter. Choco de carottes. Oh, non. Moi, j'en veux plus de carottes, j'en veux plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger à la place? Je vais aller voir ce que mangent les autres animaux et puis je mangerai comme eux. Chut. Tout doucement, pour que sa maman ne l'entende pas, le petit lapin a ouvert sa fenêtre et hop, il a sauté dans le jardin. Puis il a ouvert le portail et il est allé dans la rue. Et là, eh bien, il a traversé le village et bientôt il est arrivé à côté d'une mare. Vous savez, une mare, c'est une grosse flaque d'eau, mais qui est quand même un peu épaisse. Des fois, il y a des canards. Là, il n'y avait pas de canards. Mais par contre, il y avait... Il y avait un crapaud. Oh, salut le crapaud. Dis donc, qu'est-ce que tu manges, toi? Moi? J'aime bien manger... Des mouches. Ah, des mouches? Mais c'est pas bon, les mouches. Si, c'est même très très bon, les mouches, tu sais. Et quelquefois, eh bien, je mange des gros moustiques. Et ça, c'est rudement bon, hein. Oh, berk, berk, berk. Non. Ça, je veux pas manger le moustique, hein. C'est pas possible. Et le petit lapin continue son chemin. Bientôt, il longe la rivière. Et là, il voit dans l'eau un poisson, bien sûr. Hé, poisson, qu'est-ce que tu manges, toi? Moi, eh bien, j'aime bien manger les petites larves qui flottent comme ça dans l'eau. Des larves? Oh, mais c'est dégoûtant, ça. Oh, mais je veux pas manger de larves, moi. Mais si. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petits vers qui sont complètement au fond de l'eau, dans la vase. Alors ça, c'est vraiment très très bon, hein. Oh, mais je veux pas manger de petits vers, moi. Non, et même des gros, c'est pas bon du tout. Non. Moi, je veux pas manger comme un poisson, il dit le petit lapin. Et il continue son chemin. Il arrive juste au bord de la forêt. Il est rentré dans la forêt et là, il a vu sur la branche d'un arbre un hibou. Eh oh, le hibou, dis donc, qu'est-ce que tu manges, toi? Moi? Je mange les petites souris qui sont mortes. Ah non, moi je veux pas manger les souris qui sont mortes.
Je mange aussi des petits mulots. C'est encore meilleur. C'est comme des souris, mais comme les petits mulots, ils courent dans la campagne. Ça a un bon goût d'herbe, c'est bien meilleur. Non, il dit le petit lapin. Moi, je veux pas manger comme les chouettes ou comme les hiboux. Hein. Alors ça, c'est sûr, c'est pas comme ça. Hein. Et il continue son chemin. Et maintenant, il arrive en plein milieu de la forêt. Oh, et là, il voit un animal tout noir, assez gros, avec des dents pointues bien blanches, des oreilles pointues et une grosse langue. Qui passe d'un côté et de l'autre de sa large gueule. Oh là là, bonjour le loup. Dis-donc le loup, qu'est-ce que tu manges toi? Moi? Mais je mange des petits lapins. Des petits lapins comme moi? Mais bien sûr, et je crois que je vais me régaler. Oh là 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 là, le petit lapin se retourne et il court. À bientôt la chouette, il court. Je reviendrai te voir le poisson, il court. Derrière lui, il y a le loup, mais bien sûr, il court. Je reviendrai un de ces jours, hein, le crapaud, attention, hein, bientôt. Il court. Il ouvre le portail de sa maison. Il rentre dans le jardin, il monte sur les escaliers, il ouvre la porte. Il rentre, il referme la porte derrière lui. Oh. Rigolez pas, les enfants. Le lapin, il a regardé par le trou de la serrure. Eh bien, le loup, il était venu jusque-là. Et voilà que le petit lapin, il entend sa maman qui lui dit « Alors, mon petit lapin, tu viens prendre ton biberon de carottes ?»« Oui, maman, j'arrive. » Il a tout mangé. Et même plus, si vous voulez faire plaisir à un petit lapin, il faut lui donner des carottes. Ils adorent ça. Bien mieux que les larves, que les moustiques, que les mouches, que les vers, et même que les souris. À demain. Passez une bonne journée.